Nous saluons tout le monde et nous souhaitons bienvenue à tout le monde qui est là. Si vous avez un téléphone cellulaire, essayez de checker pour nous. Mettez sous silence. Et si vous avez un monde qui est frère, Brisa, passez parce que dans 5 minutes, nous avons fermé 5 heures là. Nous avons commencé le service. Merci. If you have your cell phone with you, please put them on silent for us. Thank you. Okay.
n'a fermé 5 heures là. Nous souhaitons bon courage à toute famille, hein, à toutes amies. Si nous avons temps, nous allons ouvrir 5 heures là encore après le service là, on a fermé. Merci.
This morning we have come to honor the life of a man who lived it well and honored the Lord in all seasons of his life. We will not mourn and cry and wail, but we will celebrate him. We will celebrate his attitude of worship. In spite of the pain, he honored the Lord, and out of the fiber of his being, his praise arise. Let our praise arise as we celebrate the life of our dear brother.
le corps diaconal de l'Église chrétienne haïtienne. Vivre avec Jésus dans les cieux, jeter à ses pieds ma couronne. C'est là le bonheur éternel dans le ciel, dans le ciel. Vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé le monde de l'éternité dans l'éternité, tu es Dieu. Du lieu élevé de ta sainteté, tu regardes sur la terre et tu vois. La mort sera des épouvantes, déchirer des vies, briser de la relation et laisser derrière elle des vides immenses. Mais au milieu de cette situation de mort, de souffrance et d'épreuves,
Amen. Que nous connaissons tout en tant qu'être mortel. Tu nous manifestes ta grâce, ta bonté, comme un Père miséricordieux et compatissant, tout en tout, ta force comme des boucliers. C'est pourquoi nous pouvons nous écrier: je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Exaltez avec moi l'Éternel et célébrons tout son nom, car il est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Seigneur, nous te remettrons la direction de cette cérémonie, qu'elle soit pour toi un sujet de louange et d'action de grâce, et pour nous autres, un sujet de consolation, de réconfort, d'édification et de réflexion. Reçois favorablement les paroles de nos lèvres et le sentiment de notre cœur. Par Jésus-Christ, à qui reviennent le règne, la domination, l'adoration, la puissance, l'autorité, au siècle des siècles. Amen. Nous sommes réunis ce matin pour en célébrer la vie d'un grand homme, un serviteur de Dieu, un homme de foi, un homme vaillant, un homme très courageux. Il y a des circonstances douloureuses dans lesquelles il devient bien pénible de remplir notre devoir. Tout naît, tout vit, tout périt. C'est l'équation de la vie, c'est la fragilité humaine. Chers frères, votre famille, vos proches, collègues et vos frères et sœurs dans la foi, et tous ceux qui vous ont aimé sont ici aujourd'hui pour vous rendre un dernier hommage, pour vous dire au revoir. Vous êtes partis trop tôt, et vous nous rappelons qu'ici-bas, notre vie est peu de choses. Rien ne peut quantifier le vide que vous a laissé au milieu de nous. C'est avec beaucoup de peine que je m'exprime aujourd'hui. Je dois saluer votre départ. Vous avez achevé la course. J'aimerais dire beaucoup de choses, mais les mots se bousculent dans ma tête avec des émotions contradictoires. Je suis profondément triste et désemparé. Mon frère, mon collègue, que vous soyez parti, mais de l'autre côté, je suis soulagé parce que vous avez persévéré dans la foi jusqu'à votre dernier soupir. Église chrétienne haïtienne, le diaconat, famille endeuillée, courage, l'Éternel a ôté, l'Éternel a donné, que le nom de l'Éternel soit béni. Notre frère bien-aimé, le frère Jean-Claude Brizard, le diacre Jean-Claude Brizard, d'Henri, il est dans les bras du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Mes frères et sœurs et amis, que la grâce et la paix de Dieu vous soient données ce matin. Nous sommes vraiment réunis, c'est juste pour encore célébrer la vie d'un homme, un homme extraordinaire, qui vraiment a accompli des choses extraordinaires. Nous ne sommes pas ici pour crier, pour lamenter, mais c'est juste pour célébrer. Parce que nous connaissons exactement qui côté notre frère, qui côté que lié. Et maintenant, nous avons demandé qu'on puisse camper avec nous, faire cœur content, pour pouvoir chanter ensemble le mot 17 français, à de nouveau combat.
Jésus, tu nous attends. Et nous avons demandé avec notre frère, Ramon, qui a pris pour chanter pour nous pour la gloire de Dieu. Fait que content matin, parce que nous venons là pour nous célébrer ensemble la vie d'un homme extraordinaire. À de nouveaux combats, Jésus, tu nous appelles, et nous voici fidèles, prêts à suivre tes pas. Conduis-nous au combat, nous sommes tes soldats. Arme nos bras, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Arme nos bras, arme nos cœurs. Arme-nous, ô Seigneur, de foi, de hardiesse, de force, de sagesse, d'amour et de ferveur. Embrase-nous, Seigneur, d'une invincible ardeur. Arme nos bras, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs. Et nous serons plus que vainqueurs. Arme nos bras, arme nos cœurs. Nous tiendrons ferme la croix, notre bannière, pour vaincre l'adversaire par le sang de l'agneau. Oui, nous tiendrons bien haut la croix, notre drapeau. Arme nos bras, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Arme nos bras, arme nos cœurs. Luttons, prions, souffrons, nous aurons la victoire, la couronne de gloire, un jour scindra nos fronts. Luttons, prions, souffrons, bientôt nous règnerons. Arme nos bras, arme nos cœurs, et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Arme nos bras, arme nos cœurs. Merci. Allons écouter la première prière par notre pasteur Agilor. Assoyez-vous, s'il vous plaît.
de la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons action de grâce, même dans les moments les plus difficiles de notre vie, pour ce que tu es et ce que tu fais, car tu as tout fait bien. Nous te disons merci pour les familles de notre frère Jean-Claude Brizard. Nous te disons merci, Seigneur, de les avoir protégés jusqu'à cette présente minute. Notre frère vient de payer son tribut à la terre. Âgé seulement de 67 ans, oh, les parents, les enfants ne peuvent pas supporter ce départ brutal. Mais tu as tout fait pour un but et nous ne pouvons pas te questionner. Tu es souverain, tu fais ce que tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux. Nous te prions de bénir ce moment que nous allons passer ensemble. Tous ceux et celles qui sont désignés pour faire quelque chose, donne-leur la force nécessaire. Mets ta force dans leur faiblesse pour que nous puissions rendre ce dernier hommage bien mérité à notre frère Brizard qui nous a devancés. L'apôtre Jean, dans sa vision apocalyptique, Apocalypse 14, 13, dit « Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, car ils se reposent de leurs travaux. » Sa mission étant terminée, et nous savons qu'un jour, lorsque tu récompenseras les fidèles combattants, tu répondras présent à ce rendez-vous divin. Bénis ce service pour nous. Nous te prions pour la famille Germain, la famille Brizard, la famille Virginal et toutes les autres. Toi qui es le Dieu de toute consolation, essuie les larmes de leurs yeux, car cet ennemi redoutable qu'est la mort, un jour, elle ne sera plus. Parce que la Bible nous dit, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Nous savons que séparation est douleur. Pourquoi nous te prions de venir en aide à tous les membres de sa famille afin qu'ils puissent accepter ta volonté. Ce n'est pas facile de voir partir un être cher, mais nous devons accepter de payer le prix car nous savons qu'un jour nous le verrons. Un jour nous serons avec toi, il sera avec toi et plus jamais nous ne serons séparés. Nous comptons sur toi. Fais pour nous au-delà de nos demandes, parce que toutes ces grâces, nous te les réclamons, nous en fonction de nos mérites, car nous sommes des pécheurs. Mais au nom et par les seuls mérites de ton Fils Jésus-Christ, le ressuscité qui dit « J'étais mort, et maintenant je suis vivant au siècle des siècles. » Amen. Kounia, nous attendons un morceau spécial par notre frère Thomas pour la gloire des dieux. Frère soeur, bonjour. Bonjour frères et sœurs. Bonjour frères et sœurs. On dit béni soit l'Éternel. On pas attendre nous dit béni soit l'Éternel. Frère nous on pas mourir dit béni soit l'Éternel. Avec espérance sur quel en Dieu on dit béni soit l'Éternel. On présenter ce patrimoine avec les parents et les amis qui touchés par départ ça. Mais comme vous le savez que bon Dieu il méritait l'orange en toutes circonstances. Et c'est pour raison ça, même à travers yon enterrement, gloire bon Dieu toujours manifestée. C'est pour raison ça, m'a chanté pour nous-mêmes. À Dieu soit la gloire. To God be the glory. Thank you, Jesus. Lord, we come before you this morning to give you praise, to worship you. Thank you, Lord. Comment te remercier pour les choses que tu fais pour moi.
Je ne suis pas digne, mais voilà la preuve de ton amour. Mais la voix d'un million d'anges ne saurait dire ma gratitude. Tout ce que je suis, je te donne la gloire. Toi qui m'as transformé. À Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire pour tout ce qui l'a fait. Oh, par son sang il m'a lavé, son pouvoir m'a transformé. À Dieu soit la gloire pour tout ce qui l'a fait. Just let me live my life. Let it be pleasing, Lord, to thee. And should I gain many praise, let it go to God the wind. Oh, to God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the thing he has done. Whoa, whoa. To God be the glory. God be the glory. To God be the glory for the thing he has done. We worship you, Jesus. We magnify your name, Lord. Hallelujah. Glory to God. Nous allons trouver la première lecture de la parole de Dieu se trouvant dans la première lettre écrite par l'apôtre Paul aux chrétiens de Thessalonique, chapitre 4, le verset 13. À 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur.
Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Alléluia. L'église, bon Dieu béni. Et chant ça me va chanter, c'est un chant frère Brizard, mais en pile. Et son chant depuis l'abtant des lits, des larmes qu'on courait dans les yeux. Que bon Dieu réconforte famille ça. Que bon Dieu bonne force. Spécialement pasteur Jude qui perdit un ami. Que bon Dieu console nous. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life we have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In the darkness night, you are close like no other. I've known you are a father. I've known you was a friend. And I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Thank you, Lord. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In the darkness night, you are close like no other. I've known you as a father, as know you as a friend. I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Yes, Lord. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Thank you, Lord. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Your goodness is one enough. It's one enough to me. Your goodness is one enough. It's one enough to me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is one enough. It's one enough to me. Your goodness is one enough. It's one enough to me. Your goodness. Your goodness.
own enough to me. With my life laid down, I surrender it. I give you everything. Your goodness is one enough. It's one enough to me. Dare mo di la vem avant nous remettre. All my life, you have been fit. Pour courage, Fabrice a pas mouru. All my life. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness. Moi connais Fabrice Abgadem, la souris à cantique ça. All my life you have been faithful. Thank you, Lord. All my life you have been so, so good. We were with them and I am able. And I will sing of the goodness. And I will sing. Courage. And I will sing of the goodness of God. All my life, God has been faithful. Sometimes you may say, well, God, why is me? Why it happened to me? I serve you. I pray. I give offering. I do everything. Why is me? But you know what? He is you. Because he is you. Li connaît raison. C'est ou même et c'est ou même même. David dit, quand je marche dans de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Même si dans vallée de l'ombre de la mort, I don't have to be afraid because I know my God is with me. Pas peur matin. Pas peur. Pas crier. Fais cœur content. Parce que notre frère, je dis, il est bien placé. Pas de douleur encore, pas de tristesse encore, pas de calamité encore, pas de peur encore. Il est bien placé dans le bras du maître. Maintenant, il est assemblé à camper avec nous pendant que nous avons une deuxième lecture par notre bien-aimé frère Camorens pour la gloire de Dieu. À nous camper pour la deuxième lecture de la parole de Dieu. Psaume 90, prière de Moïse, l'homme de Dieu. Seigneur, de génération en génération, tu as été notre abri. Avant que naissent les montagnes, avant que tu crées la terre et le monde, depuis toujours et pour toujours, tu es Dieu. C'est toi qui dis aux humains, redevenez de la poussière. Et ils meurent et redeviennent poussière. Pour toi, 1000 années passent aussi vite que la journée d'hier ou quelques heures de la nuit. Tu emportes la vie humaine. Elle dure le temps d'un court sommeil. Elle ressemble à l'heure qui pousse. Le matin, elle fleurit, elle grandit. Le soir, elle se fane, elle est sèche. Oui, ta colère nous fait mourir. Nous tremblons de peur à cause de ta grande colère. Tu regardes nos fautes et la lumière de ton visage éclaire ce que nous cachons. Oui, à cause de ta colère, notre vie dure peu de temps. Le temps de soupir, voilà nos années finies. La durée de notre vie, 70 ans, 80 ans pour les plus forts. Une longue vie apporte seulement fatigue et souffrance. Les années passent vite.
et nous nous envolons. Qui connaît la force de ta colère? Elle est aussi grande que notre respect pour toi. Notre vie est courte. Fais-nous comprendre cela. Alors, notre cœur sera rempli de sagesse. Ta colère va durer jusqu'à quand, Seigneur? Reviens vers nous. Aie pitié de tes serviteurs. Dès le matin, remplis-nous de ton amour et nous chanterons, nous créerons de joie toute notre vie. Pendant des années, tu nous as punis et nous avons connu des années de malheur. Maintenant, change-les en années de bonheur, que nous puissions voir tes belles actions, que nos enfants découvrent ta beauté. Seigneur, je suis content ça. Côté lié dans le sein d'Abraham, ça fait le bien pour louer ma paix. Bon Dieu, gloire. Dans la célébration, ça. Gloire à Dieu. Gagne un jour, qu'un vini, jour sa part, gagne chagrin. Pap genyoach non ciel là ni gros de l'eau pour troubler vague la paix pour tout temps non belle ville d'Ossa qui grand jour jour glorieux, ça va y est. Qui grand jour, ça va y est. Les barons contre Jésus. Et moi, va garder figure. Lui même qui sauve ma grâce, l'élifant qui aime mes moyens pour le mener dans tes promesses là. Qui grand jour, jour glorieux, ça va y est. Papi, y'a tristesse, ni fado pour nous porter, ni maladie, ni douleur, ni partage, non paysage. Vague la paix pour tout temps, non belle ville d'Ossa, qui grand jour, jour glorieux, ça va y est. Qui grand jour, ça va y est. Les marrons contre Jésus, et moi va. Gardez figure, lui même qui sauve ma grâce, l'élivant qui aime mes moyens pour mener dans tes promesses là. Qui grand jour, jour glorieux, ça va y est. Ou même qui, sans Jésus, ça ou va, fait non, je sais. Mais Jésus, pravini, porte la grâce, la bral fermé, qu'on est bon Dieu, pral tomber, sous tout mon.
grand Jésus, Greg. Qui grand jour, you can play. Jour glorieux, ça va yer. Qui grand jour, ça va yer. La parole contrôle Jésus. Et moi va garder figure. Promesse là, qui grand jour, jour glorieux, ça va yer. Qui grand jour, ça va yer. Le parent contre Jésus, et moi va garder figure, lui même qui. Sauvez ma grâce, le vivant que m'aime-moi, pour mener dans tes promesses-là. Qui grand jour, jour glorieux, ça va moi pral la caille, moi pral la caille, pas que rien pour que même ici, moi pral qui te vient comme ça. C'est ça mon nom qu'on a dit matin, oui. Et ça fait nous crier avec espoir. Go in home, up go in home. There's nothing to hold me. Heavenly love, praise God, praise God, praise God. Where there will be no more pain, no more death, no more sorrow. Hallelujah. I'm going home, going home. Amen, amen. Jésus dit à Marthe, la sœur Lazare, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Même s'il mourit, la vie. Sur moi-même, moi, c'est la résurrection et la vie. Et maintenant, on a bien privilège pour apprendre un peu de héros, combattants de la foi, hommes des dieux, frère Brizard, qui parcourent, ça l'accomplit, dans l'espace que Dieu t'a accompli sous terre. Ça. Et les gens qui mieux placés maintenant pour nous faire comme ça, et puis Gassoni, notre frère, notre ami, James Brizard, pour la gloire de Dieu. Brother James, come forward. Morning, everyone. So much can be said right now for my dad. Always free.
Saint James Blizzard. What will it be like when my pain is gone? And all the worries of this world just fade away. What will it be like when you call my name? In that moment when I see you face to face, word cannot express my sense of loss. Well done, well done, my good and faithful one. Even though welcome to the place where you. Vous t'es que moi et ma pasteur je suis capable de dire. T'es quand tu sens ma coude, t'es quand tu sens dictature. It's either my way or the highway, which we're not gonna have anymore. Même si on parle physiquement, mais esprit. I always knew it was out of love and concern for our safety and well-being. He would do anything for us and always above and beyond to make sure each and everyone around him was happy and healthy. Dad was always so proud of us. Même s'il était capable de camper devant pour dire gens qu'il est satisfait avec l'effort que nous fait. Mais marcher dans la discipline que l'était bas nous, il était toujours fier, spécialement dans la communauté qui a grandi, dans le mouvement que l'il y a, qui a un peu de bagaille que l'il pas apprécié, mais il était toujours dit. Il a écrit dans la Bible, mais il est bien content que petit parle, les gens qui proche avec lui pas participer là-dedans. No matter how small, his encouragement and support meant the world to me. And I always cherish his word of wisdom. Now that I know he's at peace, free from pain, I will miss him dearly every day for the rest of my life. Life was a blessing, a gift from God. Chaque jour, j'ai fait expérience à papa, côté noté qu'on conduit. Il dit m'pas de là aujourd'hui, mais mon Dieu a un plan pour moi. Tout l'air pas de café souffle, tout l'air est dans l'oxygène. M'bal non, moi-même à ton tombe. Nous relais la résistance, nous relais le croyant. Il pas de jambes découragées un jour dans la ville. Il était toujours gain espoir, il était toujours croyé dans mon Dieu, il t'a servi. You touched so many lives, made the world better place. You will be missed, but never forgotten. Thank you for everything you've done for each and every one of us in here. I will never forget the moment we shared that. You're always here for me when I need you. And I know you will continue to be with me even though you're no longer physically here. Your love and guidance will stay with me forever. Si que me dit tout samedi là moi pas chercher dictionnaire pour me définir papa qui c'est madame ni Jacqueline Virginal Brisa pas rien moi dit là qui a sens pour lui c'est madame ça qui était définition la vie papa peut-être bien l'âge de gagne pas de comprendre papa c'est dans dictionnaire ça moi t'aller pour me retrouver qui ça papa me signifie. Et je dis, c'est à tout un privilège pour me connaître que je suis présent pour lui jusqu'à la fin, jusqu'au temps que je ne suis pas capable encore. I thank each and every one of you guys for being here today with our family. Thank you, everyone. Oui, Frère Brizard, vraiment, c'était un homme extraordinaire. Alors avant même que nous gagnions l'autre sélection par Levi's, I just want to share a quick testimony with you briefly before we turn it over to them, because there are a young guy that about the youth that about to play for us. I witnessed something and I want to share that with you. Un jour mal
ouais frère brisé à l'hôpital là. Vol de coïncidence pendant que nous rentré pasteur Jude aussi à ouais frère brisé dans même jour. Et tout de suite après il y a frère Pierre qui vient paraître et planifier pour nous être là ensemble. And Kiki was there the whole day sitting watching his dad. And pasteur Jude dit, "Hey Kiki, you've been the whole day, man, just go do something." He said, "Pastor, I'm fine. I want to take care of my dad." He was sitting there the whole day. Pastor said, "About tomorrow, can I come early? Then you can go." And, "No, Pastor, I am okay. I want to take care of my own dad." He's been that whole time with his dad. Guess what? Gemon ougen ki passe. You do all you can. Mais c'est blanc bon Dieu qui fait l'aller. Ou dit que non bon Dieu béni. Mais l'on crie plus, c'est là où il y a des choses qui sont faites ou pas faites. Ou qui est plus chagrin dans le cœur. Et c'est sûr que, pensez, James, Kiki, ce Jacqueline, le passé, ouais, frère Brisa, they did everything they can do. But guess what? Il n'y a pas plein bon Dieu pour te bailler la vie. Et m'encourager au monde qui beaucoup trop aujourd'hui, je dis, don't wait until they die, but make sure that while you're there, do all you can. Do all you can. At time you can. Et maintenant, les jeunes, ça va le performer pour nous-mêmes, mais on a encouragé pour bon Dieu. Bénis-nous à travers et performance ce matin pour la gloire de Dieu. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Prêtez mon Dieu, béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Frère Brice, prends une minute, non, non, mais Mabdi, c'est Mabdi, à bien vite. Nous avons 7 ans de ministère depuis que nous avons eu l'hospice. C'est la première fois que nous faisons expérience ça. Côté que nous avons visité un malade, et puis c'est malade là même qui a réconforté. C'est malade là même qui a encouragé. Qui a parlé de les bienfaits de Dieu, de la fidélité de Dieu. Ça, son témoignage. Et nous disons, bon Dieu, merci pour frère Brisa, qui te lui-même montré nous que vocation pour bon Dieu, adoration pour bon Dieu, l'amour pour bon Dieu, pas dépend des circonstances la ville. Li pa dépend des épreuves li, li pa dépend de état santé. Mou konnen papa bon Dieu nan sel lap di, well done, bon et fidèle serviteur. Chan sa n ap dédié lak famille. Même Jean que frère Brisa te attaché ak bon Dieu, nous même tout, héritage qu'elle kite pour nous, son héritage qui pa gen évaluation, c'est l'évangile. Kembe fèm, rete près bon Dieu. Draw yourself close to him, Kiki, just like your father drew himself to you. Amen. Be blessed. Thank you.
draw me close to you, Lord. Pi brèw, pi kolé avec ou pi sou, c'est là gen la vie. Maintenant, avec nous, notre pasteur, pasteur Gide Urmain, pour la gloire de Dieu. Bonjour tout le monde. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos tribulations, afin que par la consolation que nous recevons nous-mêmes de lui, nous puissions consoler les autres dans toutes leurs afflictions. Honorable pasteur, honorable ancien, honorable diaconesse et diacre, collègue de Frère Brizard, honorable membre de l'Église chrétienne, honorable parents, familles et amis affligés, très chère Jacqueline, Jacôme, l'épouse de Frère Brizard, chère Nanette, petite fille Frère Brizard, cher James, cher Manouchka, cher Kiki, chers frères et sœurs de Frère Brizard, Isaïe qui parle là, qui est en Haïti, nous saluons de loin, Rémi qui est là avec nous, Osner qui est en Haïti, Lumen, qui est représenté par Marie-Lie, par Sola Mondry. Beloved grandchildren, cousins et cousins, neveux et nièces, oncles et tantes, vos frères et belles sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Nous disons merci à Dieu ce matin pour ce qu'il a fait pour nous et pour ce qu'il est dans notre vie, et spécialement pour le salut qu'il nous donne en Jésus-Christ. Nous remercions aussi le Seigneur pour presque 67 ans que nous avons passé avec cet homme extraordinaire, cet homme vaillant. Je dis 67 presque 68 ans, parce que demain, tu as fait Frère Brizard 68 ans. Son départ pour l'éternité nous a causé beaucoup de peine et a aussi laissé de profondes blessures dans nos cœurs. Mais notre Dieu, qui est riche en bonté, en grâce, en amour et en fidélité, a agi et nous devons accepter sa volonté. Il a donné et il a repris, que son nom soit béni. Au nom de la famille, nous vous disons merci d'être venu pour célébrer ce moment combien précieux dans la vie de la famille. Frère Brizard était un grand homme. Il était un homme merveilleux. C'était notre potomitan. Ce grand géant de la foi, cet homme courageux et fort. Ce guerrier de prière, cet homme de cœur, aimable, charitable, pur et généreux. Cet homme qui comprenait et qui partageait la souffrance des autres. Frère Brizard était un bon mari, c'est ça madame l'a toujours dit. Un bon papa, un bon frère, un bon cousin, un bon ami, un bon diacre. On fait expérience avec l'église là. Un bon chrétien qui marchait avec Dieu, qui aimait Dieu et qui aimait son prochain. Frère Brizard, même Jean, Jésus-Christ fait déclaration dans Jean 11, versets 3 et 4, et nous lisons ces paroles, les sœurs envoyaient dire à Jésus, « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Ce matin, je peux vous dire que c'est la même chose pour Frère Brizard. Très certainement, la maladie ALS a pu toucher son corps, mais elle n'a pas pu toucher son âme. Son âme est bien vivante avec le Seigneur.
Et il est dans les bras de Jésus chantant « je suis sauvé » aux joies inexprimables. C'est ce qu'il chante ce matin. Et sa maladie, c'était pour nous une gloire. Pourquoi? Premièrement, à travers la maladie de Frère Brisa, moi comprendre dans qui l'Église le Seigneur mettait. Moi, ouais, moun l'Église chrétienne campé, ils ont entouré famille, ils ont pris soin famille, depuis la maladie jusqu'à ce que les mourir. Et hier soir, petite fille Manouchka a dit, pasteur, beaucoup de gens ouais moun comme ça. Depuis me venir, moun yo quitté maman sans souffrance, très sorti. Nous disons merci l'Église chrétienne. Et Frère Brisa a eu raison, elle était menée là en 2008. Madame Pasteur était marraine, nous sommes tes parraines. Et c'est là, bon Dieu, tout mettre mal et quitter dans l'église. Je ne me regrette pas. Si je devais choisir l'église, je devrais choisir l'église chrétienne encore. Parce que c'est côté de l'amour. C'est côté de tête ensemble. C'est côté de mon remède. C'est côté de mon servi. Moun servir. Moun. Moun qui peut te cob. Moun qui bien, Frère Brisa. Moun qui peut te manger. Moun qui peut te la Sainte Seine pour la Kaeli. Nous disons merci au nom de famille. Pendant maladie, Frère Brisa, moi aussi, ça s'arrêtait madame qui mariée dans les bons comme dans les mauvais jours. Madame Frère Brisa, c'est une femme merveilleuse. Je fais un pile mariage. Un pile monde dit oui, c'est droit, mon nom. C'est engagement, le te prend. Non, les bails sont bons, il y a un bon mari, il y a un bon madame. Mais les bails sont tête en bas. En pile madame give up, en pile mari give up. Mais madame ça a campé. Le Frère Brisa fait ma coute avec nous. Il dit madame, non même les gens fumier là, c'est pour même tout temps souffre pour couper. Il dit Jean, madame n'est pas capable, li bouquer. Il dit pépé, pas dit ça. Madame n'a dit pas ou mettre quitter lui. M'pa vle le chagrin, tout ça le vle m'a fait. Jusqu'à ce que Dieu le ferme. Madame Brisa famille est bon. N'a campé avant. Et mandé, m'a fier de Bibil James, ou font job superbe. Maman mouri, mais on prend Jaco comme maman. M'a fier de ou moi ça qu'on fait pour papa ou bien papa ou prend soin. Mais la vie a été forte move. Mais on t'est passé ça by Nanette avec Kiki. Dis nous merci. But you know what, this morning I have to say something about Kiki. Frère Brice said something, it is true. I have been at the house almost every day. M'vin tout le. You know, Kiki, le papa commence malade, il était 16 ans et demi, 16 ans. C'est le pour ti moun al jouer, pour yon chita dans téléphone, dans internet. Kiki remet sport. Depuis jou papa Kiki malade, l'oublie tout bagay. I told him, Kiki, you need to go out and do something. He said, no, Pastor Jean, I have to be there for my dad. One day I told them, Kiki, you need to go take a break. Allez à maman. I'm going to stay with Frère Brisa for the whole day because I have things to talk to Frère Brisa about. He said, okay, Pastor Jean. He left. And 2 hours he came back. I said, what's wrong with you? He said, Pastor Jean, I don't know. I just want to be with my dad. Whatever he needs, because he doesn't talk loud, you may not understand. I gotta be there for my dad. Mwè Kiki kap antre en bas, papa kap leve, mette sous cabane, mette sous chaise. On jeune si moun di, c'est en 18 ans. I'm so proud of you, Kiki. You taught me, I've seen the glory of God in your life. And the Bible says, kids, honor your father and mother, and God will grant you a long life on earth. And this is my wish for you, Kiki. If your mom wanted me to adopt you, I would adopt you now. But ou déjà petit moi déjà, m'a même besoin al faire papier, ou ap toujours petit moi. Et m'a des famille non seulement pour camper avec ce Brisa, mais camper avec Kiki. You be okay, Kiki. God will take care of you. You be fine. Kite m'ban nou on ti histoire sou la vie mwa Frère Brisa tout petit. Yon première expérience me fait à Frère Brisa son pied mango blanc qui était gagné devant la caille. Content des mango bon. Mais Frère Brisa c'est chaque jour qu'il aide 3 mango, il fait combien sac pour pot bailler l'église. Il bail chaque monde un grain, chaque monde 2 graines. Il pas manger pour compte lui.
Chaque temps monsieur passé là cala le porter deux trois mango. Bon même dit brisa bon mango. Il dit ah pépé mon cher, mango pas de poule. Il dit OK. Il dit un jour m'a fait monsieur quitter. Il dit Jaco qui l'est et brisa pour le travail. Il dit tel jour. M'prend machine même quand pas bas pied mango. M'vienne à combien bag mango, m'a cueilli mango. Mais malchance pas m'jou ça le vin bonnet. Il campe dans fenêtre à la garder me cap prend mango chaque temps levé pour l'ouvrir porte pour dire pépé suspend voler mango mais madame dans kembel kounya m'a prend mango puis monsieur senti le pas arrêter comme monsieur ouvrir toi monsieur dit pépé gè les mango ça est bravo qui te planter et pas bouche ou seulement gè non gè l'autre monde tout après ça m'a occupé monsieur me prend règle mango m'aller ça son expérience mango kounya monsieur te gè banane mayoc des caille la toute qualité bagaille monsieur conseil de gros régime banane. Chaque temps mal la caille frère brisa mouzé banan yo m'a filé bouche moi on dit m'a fait monsieur quitter monsieur coupe un premier régime banan il prend 5 graines banan il met dans 10 ou bien 30 sachets pour le bail moun l'église on dit brisa ou fait moun honte dans famille ou pas ka bail moun 5 graines banan il dit pépé c'est geste la compter m'pa jamais manger pour compte moi on y a monsieur gaspiller premier banan nan li bagay m'dit bon deuxième régime banan nan m'pa cacher ou m'a fait monsieur quitter là dedans. Banan yo bon. Ou nya chaque temps vim di brisa banan nan bon. Ou coupe le nan monsieur dit non pépé. Ma di ou ki le banan nan bon. Et moi que te planté le c'est pas mnie. Me dit OK. Me dit Jacques veille pour moi ou de pour ouais, j'ai l'autre couper banan nan dit pour me venir séparer là avec. Bonjour matin me venir monsieur dit banan nan poko bon pépé. Me dit bon monsieur. Kou me fait ça malé monsieur couper banan nan. Li met 5 graines encore dans sac sachet et puis il bam 5 graines tout. On y a venu me dire Jacques koto wè monsieur met sa chair. Il dit a passe puis ga metem nan tripotage nou. Sou garde nan fami nan family room nan wap wè. Malè nan family room nan prenne pas 10 sachets banan mette nan machine. Monsieur ta bien. Kounya monsieur sort bien, monsieur dit pépé moi suspect. On dit me suspect. On dit c'est ou que ta doit suspect mon couper banan mon batiment hein. Et puis me fait ça malé puis kounya monsieur relem nan. Ta dit pépé oh, mais ou son vicieux men. Ou déraciner toute banan nan oui. Monsieur dit me dégon avocat pour m'pap porter le ba encore m'poko rive là kala monsieur gentan al frapper porte là pour avocat avec zeu pour moi pour mal manger avec banane. C'est un bon ami, c'est un bon famille. Matin me lever m'a calculé brisa m'pa jamais dormi et puis me dit m'a piconti à costiche pour lui m'a pral l'île pour nous avant me quitter nous. Me dit Jean-Claude Brisa un vrai serviteur de Dieu. Mon qui te connaît mec te gagne ménage on te connait faire acoustique pas vrai et on prend J pour Jean. Jésus n'est pas seulement son sauveur et son maître mais il était aussi son idole. On prend E. Examinez votre vie. Jésus occupe-t-il la première place dans votre vie ce matin? A. Ami réel et fidèle, aimable et charitable. C'est Jésus qui nous accompagnera dans notre dernier vol. N. Naïf et arrogant serions-nous si nous pensions que la vie sur terre est infinie. Claude Lacounia. C. Content et réjoui d'avoir un tel cousin, un tel ami, un conseiller et un frère. L. La famille et l'église a perdu un poteau mitant, un bon mari, un bon père, un bon serviteur de Dieu. A. Attaché à Dieu, à sa famille et à son église, le diacre Brisa était un exemple pour les autres frères. U. Un homme de foi et de courage, un homme généreux, sympathique, un homme de grand cœur. D. Dévoué était-il au service de son maître et au service de ses frères et sœurs dans le Seigneur. E. Enraciné et fondé dans la parole de Dieu, il était un chrétien authentique et toujours à l'heure. 1. U. Une maladie méchante et LS qui a attaqué son corps, mais qui n'a pas pu détruire son âme. N. Nous savons que notre frère est dans les bras de Jésus, là où il n'y a plus de douleur, plus de maladie et plus de larmes. Vrai. V. Votre moment de prendre une décision pour échapper à l'enfer, c'est maintenant. R. Répondez oui à Jésus et placez votre confiance en lui pour avoir la vie éternelle. A. Avant qu'il soit trop tard, Jésus veut vous sauver ce matin et le choix, c'est maintenant. I.
Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, puis vient le jugement pour la mort éternelle. Serviteur S, sachant que nous sommes tous passagers sur cette terre, nous devons vivre dans l'amour et dans la tendresse. E, étant étrangers et voyageurs, nous devons prendre du temps pour préparer notre voyage. R, réalisant comme Frère Brizard l'a fait, que les jours sont mauvais et que nous devons apprendre à bien compter nos jours afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. V, vivre pour Dieu était une priorité pour le diacre Brizard sans se préoccuper de ses propres avantages. I, il a été un instrument de paix, de réconciliation, d'amour et de pardon dans la main de Dieu. T, toujours soucieux au bien-être de sa famille et des autres, il encourageait l'éducation en tout lieu. E, et il était prêt à investir pour aider ses enfants, ses neveux, ses nièces, avant de leur dire adieu. U, unique en son genre, il était très sévère, très discipliné, et l'on appelait souvent Macoute quelquefois. R, réussir dans la vie, disait-il, exige de grandes responsabilités et de grands sacrifices. 2. Dieu l'a voulu ainsi que tu nous laisses pour aller vivre avec lui pour toujours à cause de ta foi. Et nous devons accepter sa volonté, mais tu vas nous manquer profondément, surtout tes filles et tes fils. Dieu maintenant, le dernier mot. D. Dieu a un jour fixé pour chacun de nous où nous devons quitter cette terre, mais nous ne savons pas quand. I. Il faut nous préparer pour aller à sa rencontre, car la mort est imminente à cause du péché. E. Efforçons-nous de vivre dans la sanctification, dans l'amour, et recherchons la paix avec tous les hommes, qu'ils soient petits ou grands. La dernière lettre, U. Un grand serviteur de Dieu, un grand combattant, un bon diacre, un bon chrétien, un bon époux, un bon père, un bon frère, un bon cousin, un ami loyal, un bon conseiller, un poteau mitant pour la famille, un bon modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté, est parti pour l'éternité. Bon voyage, bon cousin. We will see you someday in heaven. May the Lord bless you, and may the Lord bless you all. Thank you. Oui, tout vraiment bien dit. Si nous travaillons, qu'on y a les témoins avec vous, Frère Brizard devant. Mais moi avec vous, au jour béni ça, est-ce que la bien chance pour que nous voyons encore? Au besoin de travail au dernier jour. Maintenant qu'on y en a gagné la grande chorale, the mass choir, the Haitian Christians qui va encore performer pour nous pour la gloire de Dieu. Suivez attentivement. While they getting ready, on a essayé d'encourager ou que assez souvent nous pensons que remet l'amour, les potes joie, les potes en pile gaieté, l'amour potes en pile cœur content. Mais on outside dans l'amour que nous pas souvent connaît que en pile fois que l'amour les potes douleur. Le remet parfois qui bagarre qu'on fait dans mariage à remet, c'est parce qu'on remet qu'il faut faire lui. Qui bagarre qui passe où parce qu'on remet. Faut faire, je m'encourage pour remettre parce que Christ, Dieu était tellement remet nous. La Bible explique ça. Puisque le remet avec un pile force, le remet tout bon, il voyait seul petit Lévin mourir même.
le remet ou prend pile sacrifice parce qu'on remet. Thank you.
et gloire. Jésus-Christ, c'est lui qui est roi. Maintenant, nous demandons à l'Assemblée de camper avec nous pendant que nous parlons de la troisième lecture qui sera faite directement par notre pasteur, pasteur Jean-Risbert Pierre. Et nous camper pour la gloire de Dieu. Les paroles de Paul, serviteur de l'Éternel, à Timothée, son fils, se trouvent dans 2 Timothée 4, versets 6 à 8. 2 Timothée 4, versets 6 à 8. Car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Parole du Seigneur. Nous mettons campé, nous mettons campé ensemble avec moi pendant que nous allons chanter ensemble avec moi. Nous allons chanter avec moi. Moi avec Christ d'une mort volontaire, je vis au ciel déjà sur cette terre. Frère Brisa, tu es vivant dans le ciel là depuis qu'elle était sous terre. Depuis qu'elle a accepté Jésus comme sauveur, elle a vivre dans le ciel là. Je dis en libre aller, c'est vrai. Mais songez que ce n'est pas jodi, non, frère Brizard, à vivre avec bon Dieu. Mais c'est depuis que j'ai accepté Jésus comme sauveur. En nous chantant ensemble avec moi. Mais mort avec Christ, une mort volontaire, je vis au ciel déjà sur cette terre. En attendant son glorieux retour, je suis gardé par lui de jour en jour. Ensemble avec moi. Jour après jour, gardé par ton amour. Jour après jour, à l'abri de son aile. C'est le repos et la vie éternelle. Je t'appartiens, ô Sauveur, pour toujours. Nul n'est douleur que son cœur ne partage. Il n'est fardeau dont il ne me soulage. Il n'est de pleurs qu'il ne daigne tarir. Il n'est de maux qu'il ne puisse guérir. Ensemble avec moi. Jour après jour, gardé par son amour. Jour après jour, à l'abri de son aile. C'est le repos et la vie éternelle. Je t'appartiens, ô Sauveur, pour toujours. À mes soupirs s'incline son oreille. Lorsque je dors près de moi, son cœur veille. Quand pour toujours mes yeux se fermeront, ses bras puissants au ciel me porteront. Jour après jour, gardé par son amour. Jour après jour, à l'abri de son aile. C'est le repos et la vie éternelle. Je t'appartiens, ô Sauveur, pour toujours, encore une fois. Jour après jour, gardé par son amour. Jour après jour, à l'abri de son aile. C'est le repos et la vie éternelle. Je t'appartiens, ô Sauveur, pour toujours.
Merci, asseyez-vous. Alors, nous demandons que nous ayons attention très soutenue pendant que nous prenons le temps de la parole par notre révérend pasteur Edner pour la gloire de Dieu. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Dieu donne une oasis de grâce dans le désert de la souffrance. Accepter ce que nous ne pouvons changer apporte la paix et nous donne la force de continuer le chemin. Notre Dieu, notre Créateur, a planifié notre vie avec une sagesse et un amour infini. Si nous pouvions voir aussi bien que lui, nous aurions, nous aussi, arrangé les choses exactement comme lui. C'est pourquoi nous devrions pouvoir dire, oui Père, nous te louerons, parce que tu l'as voulu ainsi. Nous présentons nos sincères sympathies à la famille Brisa et Germain, aux familles Brisa et Germain, et à toutes les autres familles. Les familles qui se joignent à ces deux familles, la famille Lamondrie et les autres familles, nous présentons nos sincères sympathies et aussi aux proches et aux amis de ces deux familles. Pour le message du jour, nous lisons pour vous 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ résisteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. La mort du croyant, c'est la porte d'entrée dans le royaume de Dieu. Frères et sœurs, en Jésus-Christ, chers parents et amis, c'est dans l'émotion et la douleur que nous sommes rassemblés dans cette enceinte pour saluer le départ de notre frère et ami Jean-Claude Brizard, qui nous a faussé compagnie pour être avec son Dieu. Nous n'avons aucun doute que notre frère est d'ores et déjà dans la présence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dans son vivant, il a fait preuve de son attachement inconditionnel pour la parole de Dieu et son amour pour tous ceux qui sont dans le besoin
Tout cela nous donne la garantie qu'il est dans la félicité éternelle et commence à jouir le bonheur éternel que le Seigneur promet à tous ceux qui croient en lui. C'est cette garantie qui nous donne la force de vous inviter à ne pas vous affliger comme les autres qui n'ont point d'espérance. Nous sommes tous désemparés devant la mort et encore davantage devant la mort de quelqu'un qui nous est cher. C'est pourquoi il y a tant de pleurs ce matin. Ce n'est pas mauvais de pleurer, car cela prouve notre humanité et notre profond attachement à celui qui nous a quittés. Quelqu'un a dit, quand le chagrin est trop fort, il faut le jeter. Les larmes sont là pour ça. Pleurer est naturel. Cependant, pleurer indéfiniment en tant que chrétien, c'est perdre l'espérance. C'est rejeter la foi en la résurrection. C'est demeurer toujours dans la peur en pensant que la mort, c'est la fin. Pour nous chrétiens, nous sommes convaincus que la mort n'est pas la fin du tout, mais le commencement d'une nouvelle vie qui n'a pas de fin. Oh, quelle joyeuse espérance qu'en ayant la certitude que notre frère, notre ami, est entre les mains de notre Créateur, notre Dieu, celui qui nous a créés à son image, qui a mis en nous son souffle de vie, qui nous donne le mouvement, la respiration et l'existence. Oui, nous avons la certitude que notre frère est entre les mains de notre Créateur, sans infirmité, plein de force et rayonnant de joie. Frère Jean-Claude Brizard a vécu pendant 67 ans au milieu de nous. Cette courte période de temps ne représente pas une trop longue vie terrestre. Mais ce qui fait la valeur d'une vie, ce n'est pas sa longueur, c'est plutôt sa qualité. Une vie de qualité est une vie au cours de laquelle le Seigneur est glorifié. Une vie dans laquelle le Seigneur a la priorité. Apôtre Paul dit, « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Et il dit encore, dans Actes chapitre 20, verset 24, « Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Et à la fin de sa vie, apôtre Paul dit, « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » C'est ça, une vie de qualité. Chaque fois que nous accompagnons quelqu'un à sa dernière demeure, nous prenons conscience de la fragilité de l'être humain. Et la question se pose à nous, quel est le sens de notre vie sur cette terre? Quel est le sens de notre vie sur cette terre? Ce n'est ni l'argent, ni la connaissance, ni la popularité qui donne sens à la vie de l'homme sur cette terre. Rick Warren, dans son livre intitulé « Une vie motivée par l'essentiel », dit,
vous avez été fait par Dieu et pour Dieu. Et tant que vous ne comprendrez pas cela, votre vie n'aura aucun sens. Vous pouvez atteindre tous vos objectifs et avoir un succès fou d'après le critère du monde, tout en passant à côté du but pour lequel le Seigneur vous a créé. Vous avez été créé pour glorifier Dieu. En 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20, l'apôtre Paul dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Rick Warren, dans le livre précité, rapporte ce que dit Bertrand Russell, un athée. Il dit, si vous ne partez pas du principe qu'il y a un Dieu, la vie n'aura aucun sens. Donc, c'est Dieu qui donne sens à la vie de l'homme sur terre. L'argent, le plaisir, la grandeur, la connaissance, rien de tout cela ne donne sens à la vie de l'homme sur terre. Le roi Salomon a expérimenté toutes ces choses. Et sa conclusion est ainsi formulée. Tout est vanité et poursuite du vent. À la fin de son livre intitulé Ecclésiaste, il dit, crains Dieu et observe ses commandements. Voilà ce que doit tout homme. Le départ de notre frère et ami, Jean-Claude Brizard, a laissé un grand vide dans nos cœurs que l'homme ne peut combler. Mais celui qui sonde les cœurs et les reins, qui scrute les pensées des hommes, lui, il est la source de toute consolation. Il est capable de combler ce vide. Je vous remets tous entre ses mains. Il est fidèle, compatissant. Il donne la force à l'homme fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Il peut vous donner la force de vivre non seulement dans la tristesse, ni même dans le regret du passé, mais dans l'espérance de son royaume. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Pour le croyant en Christ, la mort n'est pas une perte, mais un gain. En quittant le corps, l'âme du croyant va directement auprès du Seigneur. Jésus, notre Seigneur, est vivant. Il a vaincu la mort et est ressuscité. Il a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Les croyants ne doivent pas avoir peur de mourir parce que son espérance est assise sur trois piliers inébranlables. Premièrement, l'espérance du croyant est assise, bien assise, sur l'assurance de son salut éternel. Christ est venu pour accomplir la libération du péché et la mort par son œuvre rédemptrice à la croix. Cette œuvre de grâce est suffisante pour tous les hommes. Christ a donc effacé totalement nos fautes par son sacrifice. La justice de Dieu a été satisfaite et nous avons reçu la vie éternelle par Jésus-Christ. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, celui qui écoute ma parole, qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Nous avons la garantie que notre frère est d'ores et déjà dans la présence de Dieu, son Créateur. Deuxième pilier, l'espérance du croyant est assise sur l'assurance de sa résurrection. Le salut éternel touche toute la personne du croyant, son corps, son âme
et son esprit. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23-24. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés, irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. L'âme du croyant va auprès du Seigneur à la mort. Le chrétien qui meurt est absent de corps et présent auprès du Seigneur, d'après 2 Corinthiens chapitre 5, verset 8. La résurrection des croyants aura lieu au retour de Christ et nous irons au ciel avec lui. Apôtre Paul dit, notre cité à nous n'est pas ici-bas. Notre citoyenneté est dans les cieux. De là, nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ qui transformera notre corps humilié en le rendant semblable à son corps glorifié. Ce sera un jour merveilleux. Toutes nos faiblesses, nos souffrances, nos épreuves auront une fin définitive et feront place à une joie indicible, un triomphe d'une grandeur extrême, un bonheur sans fin auprès du Seigneur Jésus-Christ. Nous contemplerons ce jour-là notre Seigneur éternellement, avec nos corps glorifiés, et l'Église de Jésus-Christ, l'épouse de Jésus-Christ, célébrera l'amour du Seigneur d'un concert sans aucune fausse note. Ce sera notre entrée dans la gloire de notre Dieu, en la présence de l'agneau de Dieu. Troisième pilier, l'espérance du croyant est assise sur le retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Des centaines de textes de l'Ancien et du Nouveau Testament nous parle du retour de Jésus-Christ sous divers aspects. Le retour de Jésus-Christ est l'espérance du peuple de Dieu Israël et aussi l'espérance de l'Église. Cette espérance, nous l'avons comme une ancre solide et ferme pour notre âme. Notre espérance est assise, premièrement, sur l'évidence de notre salut éternel. Deuxièmement, sur la promesse de notre résurrection. Et troisièmement, sur la promesse du retour de Jésus-Christ. Frères et sœurs, dans vos souffrances, faites tous vos efforts pour ne pas blâmer Dieu. Il connaît notre avenir parfaitement bien, en fonction de son omniscience. Job, dans ses profondes souffrances, a pris bien le soin de ne pas offenser Dieu. Il n'était pas n'importe qui. La Bible dit que Job était un homme intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Dans ses souffrances, il aurait pu défendre son intégrité et sa droiture, mais il ne l'avait pas fait. Après avoir tout perdu, Job dit, « Nu, je suis sorti du sein de ma mère, et nu, je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, et le nom de l'Éternel soit béni. » En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien de scandaleux à Dieu. L'amour de celui qui aime Dieu a du prix et de la valeur à ses yeux. Lazare le pauvre était en butte à toutes sortes de difficultés pendant sa vie terrestre. Mais malgré tout, il a soigné sa relation avec Dieu. Sa communion avec Dieu reste vivante jusqu'à sa mort. Au moment de sa mort, une cohorte d'anges était venue pour accueillir son âme et l'amener dans le sein d'Abraham, symbolisant la présence de Dieu, notre Créateur.
Elle a dû prier aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qu'il aime. Dans le sein d'Abraham, le croyant est consolé. Sa souffrance est terminée. Sa joie est à son extrême limite. Le bonheur est à son comble. Jésus raconte la parabole de Lazare et de l'homme riche pour montrer le grand renversement qui arrive à la mort. L'homme riche s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt et qu'il me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a connu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé et toi, tu souffres. Vous qui êtes là ce matin pour assister à cette cérémonie, nous voulons vous rappeler que votre vie terrestre est éphémère et passagère. En Proverbes chapitre 27, verset 1, Salomon dit, « Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut t'enfanter. » Dans l'épître de Jacques, chapitre 4, verset 14, l'auteur dit, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Dans le psaume 39, verset 5, David pose à Dieu cette question. Ô Éternel, fais-moi savoir quand finira ma vie. Quel est le nombre de mes jours? Afin que je sache à quel point ma vie est éphémère. Quelle question. Dans le psaume 90, verset 12, l'auteur dit, apprends-moi à bien compter mes jours, afin que j'applique mon cœur à la sagesse. Seigneur, apprends-moi à bien compter mes jours, afin que j'applique mon cœur. Bien-aimé, la vie sur cette terre est éphémère. Un petit bout de temps nous vient passer là. Un petit bout de temps. Et on connaît grand pile bagaille qui rend la vie nous éphémère. Maladie. Événements qui passent tout autour de nous. Catastrophes naturelles. Pandémie, COVID-19, il va démonter pour aller. Pas qu'il y ait un monde, ça a été fait plan. Un plan a été fait réaliser. Souvent, nous faisons plan pour 10 ans, pour 20 ans, pour 40 ans. Et puis demain, si Dieu veut, le Seigneur a dit, je vous l'ai fini. Auteur a dit, apprends-moi à bien compter mes jours, afin que j'applique mon cœur à la sagesse. L'homme intelligent, c'est l'homme qui apprend bien compter jours. Et qui joue bien compter jours? C'est les jours où remettre le Seigneur jour. C'est lorsque la vie où non, mais le Seigneur qui a bien compté. Après quoi, pas un coteau qui a bien compté jour. M'a songé le 5 février. M'a descendu l'église. M'a sorti bon repos. Moi-même, madame, moi. On dit dans l'église là. Et puis, on. Un serviteur qui bat nous libre. Madame moi, Jack l'église là, et puis petit Jack là, nous dans la machine là. Et puis nous quittons la carrière là, nous arrivons dans un point, bon repos là. Et puis, combien monsieur sous motocyclette, ils ont pointé sous chauffeur. Et puis ils ont fait le descendre, ils ont pris la machine là, mais je vous sors, je vais le prêcher dans l'église, baptiste de la fraternité située à Delma. Je prends volant machine dans mes chauffeurs, je vire. Je monte avec nous, on côté les canards.
Madame moi, c'est sœur Jean-Claude Brizard. Petit seul. Senti que moun yo kavem nan yo troublé dans machine nan. Même m'a dit ça. Même calme de sorte la caille moyen dans machine avec même calme. On seul bagage me dit que yo pral avèm m'a retourné parce que bon Dieu mandaté pour me prêcher dans l'église matin. Je parti avec nous, arrivé, son machine qui à peine dédouané, c'est premier sorti machine. Belle machine. Il est entré avec nous, il a fait descendre, nous entrer dans caille. Il y a une valise qui était bien dans la donne. Il a commencé à fouiller les bagages. Il a pris un téléphone. Et puis, mais, je senti l'autre monde qui avait mieux troublé. Et puis, je me fais un bruit sous l'eau. On dit pas gagné qu'à arriver nous. Et puis là on fin fouiller. Et puis on remet moi valise là. Et puis yo kembe chauffeur. Et puis on dit nous monter machine encore. L'autre monde pensait depuis on dit monter machine me connaissait retourner après retourner mener côté derrière pour mal prêcher parce que faut me prêcher aujourd'hui. Parce que tout ça contre moi c'est pour mal prêcher. Yo kembe chauffeur et puis fait nous retourner. Il a le mettre une côté au devant nous dans la rue. On a fait madame rentrer la caille là. On dit Jacques là avec parce que Jacques là il est aveugle. On dit petite fille là mène la caille et puis tout prend camionnette, on descend. Mon l'église là qui connaît que au prend parce que on pas compte qui monde qui est en porte nouvelle là. M'rivé tout monde l'église là camper devant barrière tout monde on dit Jean bouleversé. Et puis moi passer rentrer, mon content. Et puis me prêcher message moi j'aime de prêcher les monsieur arrivé les regarder téléphone moi contact tout dit qu'est ce pasteur a pour nous kembe mais l'autre tard gen mon pas ka kembe c'est bon Dieu qui baille sens à la vie de l'homme c'est bon Dieu qui baille protection ou même qu'il a matin notre frère Jean-Claude Brizard il est d'ores et déjà dans les bras du Seigneur. Et côté lié, elle commençait à jouir bonheur que bon Dieu promet nous. Mais n'a pas dit comme ça, la vie ça tellement coûte pour nous choisir pour vivre pour mettre bon Dieu de côté pour pas vivre. Pas oublier la vie où son chaîne. Chaque jour passé, on maillon dans chaîne dans sorti. Combien maillon rete matin là ou même qui là? Même par contre, combien maillon rete? Mais le fait que je ne sais pas combien de maillons m'ont été dans la chaîne de la vie, je vais mettre les bas au monde qui connaît. On y a la même. Mon Dieu, c'est lui qui a sens à la vie de l'homme sur terre. Jean-Claude est couché pendant des années. Un rude travailleur. On est toujours sous activité. Mais elle arrive, maladie, mettez le couche, je ne pas qu'à faire. Mais matin, c'est quoi que dans ce cœur-là? On va le mettre de l'autre côté. Mais ça qui est important. Quoi, c'est poussière, Bible a dit, nous bien là pour retourner dans la poussière. Ça qui est important, non. Chers frères et sœurs, assurez-vous, attendez, on côté. Et puis, bon côté pour assurer, c'est dans mon Dieu. Que bon Dieu est nous. Amen, 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 amen. En nous mettez nous debout. En nous mettez nous debout. Pendant que nous allons chanter, ou cherchez-vous le bonheur dans ce monde où tout passe. Avez-vous en votre cœur pour Jésus une place. Parce qu'il a parlé d'une vie de qualité. Qui j'en prie à dire qu'on a une vie de qualité si vous acceptez Jésus comme sauveur. Vie en trois coûtes pour ta décider, accepter pour vivre les jonfler. Vie en trois coûtes. Vie en trois coûtes.
vous cherchez, vous le bonheur dans ce monde où tout passe. Avez-vous en votre cœur pour Jésus une place? À votre porte-il se tient? Sans cela, c'est il revient. Pour Jésus, votre sauveur, n'avez-vous point de place? N'avez-vous point de place? N'avez-vous point de place? Pour Jésus, votre sauveur, n'avez-vous point de place? Si la souffrance pour vous, ô merveilleuse grâce, lorsqu'il eut t'es à genoux, Dieu lui voilant sa face. Oh, de sa sublime croix, n'entendez-vous pas la voix qui vous dit: pauvre pécheur, n'as-tu donc point de place? N'avez-vous point de place? N'avez-vous point de place? Pour Jésus, votre sauveur, n'avez-vous point de place? Disposons notre cœur pour la prière finale. Étant une prière de consolation. Nous te remercions, Seigneur, pour le privilège que tu nous as donné de nous rassembler autour du corps de notre frère, notre diacre, Jean-Claude Brizard, enfermé dans ce cercueil. Son esprit s'en va, se repose. Saint d'Abraham, dans les minutes qui vont suivre, son corps va se reposer dans la terre. Ses désirs, ses saints terrestres vont être oubliés. Merci Père, de ce que tu nous as donné ce grand privilège d'entourer ce corps pour lui rendre ce dernier hommage, hommage tant mérité. Constituant pour nous un devoir d'amour et d'affection. Seigneur, tu sais toutes choses, connais toutes choses, connais nos faiblesses,
connaît notre force. C'est, Père, que le frère Brizard a milité au niveau de cette église comme étant un diacre serviteur, un croyant simple, humble, aidant. Il a manifesté sa foi en toi. Il a participé à toutes les activités au niveau de l'Église. Il s'est intéressé à la prière, à l'enseignement et à la prédication de ta parole, source de lumière. Pour tous ceux-là qui ont besoin de vivre l'évangile de grâce. Nous sommes arrivés à la fin de ce service funèbre où nous avons célébré la nouvelle vie dans laquelle il est déjà rentré. Il a pris les devants. C'est un témoignage public de la puissance de l'Évangile. Il nous a permis de triompher dans la vie comme dans la mort. Car tu nous as dit dans 1 Jean, chapitre 4, verset 5, que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi en Jésus-Christ. Le frère Brizard a triomphé dans la vie et nous sommes convaincus par sa foi manifestée en Jésus-Christ. Il a triomphé de la mort. Le frère Brizard a cru que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il a manifesté son témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle en son Fils Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur. Père éternel, Dieu bon, Dieu de toute miséricorde, en ce moment béni, ce moment de gloire, nous remettons sa femme, particulièrement sœur Jacqueline, son fils Kiki est à peine terminé avec son high school, jeune, avait besoin de son papa surtout pour affronter les problèmes au niveau du collège. Seigneur, nous te remettons ces enfants, les parents, pères, humainement, qui sont tous affligés par ce départ. Nous te demandons, Seigneur, de les consoler dans leurs afflictions pour pouvoir supporter ce deuil. Car tu nous dis dans Ésaïe 51, verset 12, c'est moi, et tu insistes encore, c'est moi qui vous console. Et dans Matthieu 5, verset 4, tu nous dis, heureux sont ceux qui pleurent, car ils seront consolés. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a donné la puissance pour penser ceux qui ont le cœur brisé, pour consoler ceux qui sont dans le deuil et leur donner une huile de joie au lieu du deuil et un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Ésaïe 41, verset 10, ne crains point, ne crains rien, car je suis avec toi.
Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie et je viens à ton secours. Je te soutiendrai de ma droite triomphante. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. L'Éternel est mon aide. Certes, en l'absence de notre frère Brizard, nous savons, Père, que les difficultés vont venir au niveau de la maison, au niveau du foyer. Mais nous sommes sûrs, Père, que tu viendras au secours de la sœur Jacqueline. Tu viendras au secours des enfants. Seigneur, nous sommes tous des humains. C'est humain, oui. Nous sommes hommes, nous sommes femmes. Tristesse envahit le cœur. Tristesse envahit le cœur Kiki, envahit le cœur des autres enfants, envahit le cœur Jacqueline, envahit le cœur Pasteur Jude, envahit le cœur tous les parents. Seigneur, 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 ça nous connaît, c'est que si tristesse envahit le cœur, nous, ça nous connaît. Si nous faisons de nous-mêmes, Seigneur, nous, la mort a bon gain pour nous. Et qu'au dernier jour, nous, chaque qui là, nous avons une possibilité pour nous, ouais, frère Brizard. Car tu nous dis dans ta parole, à un signal donné, à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et ensuite, nous les vivants, nous serons enlevés pour aller à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ dans les airs. Il y a un serviteur qui a dit, mais à quoi ça sert si cet enlèvement se fait, tandis que les gens ne pourront pas se reconnaître. L'enlèvement sera ordonné, sera organisé à un point tel, au point que tu nous feras le privilège pour nous connaître une l'autre. N'a pour ouais, frère Brizard, et n'a pour toute l'autre bien-aimée nous, qui défensez nous, Seigneur. Et laisse ça, personne et personne au monde, Satan, notre ennemi numéro un, la mort, notre ennemi numéro 2, pas capable de retirer la joie parfaite que vous mettez dans nous-mêmes. Que espérance ça capable de sceller. Que espérance ça, Seigneur, capable de sceller pour que au dernier jour, nous, chaque qui l'a, capable de privilège pour nous monter, aller vivre avec vous. Dans l'éternité bienheureuse, l'éternité que tu as préparée dès la fondation du monde. Avec le pardon de nos péchés, au nom de Jésus-Christ, nous t'en prions. À lui soit la gloire, l'honneur, la puissance, au siècle des siècles. Nous mettons Chita et nous pas d'arrêt pour aller pour nous pas bonne chance pour connaître le Seigneur. If there's somebody here at this moment who has not had Jesus as his or personal Savior, we want to give you the opportunity to come forward and accept Jesus Christ as your personal Savior. He is the way, the truth, and the life. Nobody comes to the Father but through him. So time is fragile, is short. And the message we heard that is not prudent for you to live your life without Jesus. Juste avant de vous laisser partir, j'aimerais vous convier à vous laisser charrier par le vent de la réflexion. Et posez-vous cette question.
Si c'est vous qui étiez couché dans ce cercueil, où iriez-vous passer votre éternité? If you were lying in this casket, where would you be spending your eternity? Answer that to yourself. Jesus is the only key. It's the key to the door to get to heaven. So don't leave without accepting Jesus as your personal savior. Avant de nous présenter aux bénédictions, nous vous merci aux mêmes qui sortis de loin pour venir supporter famille. Nous comptons vous là avec nous. Mais tant pis. Frère Brisa son monde nous t'étant des histoires qui va jamais manger pour compte lui. Nous grand pile manger. Si pour une raison ou bien l'autre l'ont sorti dans cimetière là, ou pas capable de rester dans réception avec nous, a bien manger préparé pour tout go. Pas quitter. Nous t'a préféré au chita avec famille, pas son tita avec nous. Après cimetière là, n'a bien réception ici là. Mais toutefois, si ou pas ka arrêter fait nous connaît pour nous capable ba un plat pour aller la caillou. Merci en pile à tout le monde qui participe, tout le monde qui font un bagage. Famille en content, les remercie. Songez, temps mauvais, choisis Jésus avant trop tard. Nous allons demander à funérailles room pour passer. I don't think we're going to open the casket. We don't need to open it. Thank you. But I think we would like the atmosphere to remain the same. We don't want to cause too more grief to the family. So the Emmanuel funeral room can come forward and you can present the flower as we're going to give the benediction. Et nous voulons dire ça honnêtement, Emmanuel funeral room by famille un service qui est extraordinaire. C'est un funeral room qui a un pile amour, un pile gentillesse et il agit avec cœur. Et nous saluons et nous disons merci pour ça. Maintenant que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père, la douce et intime communion de l'Esprit Saint Consolateur soit et demeure sur chacun de nous, et spécialement sur les familles endeuillées, dès à présent et au siècle des siècles. Nous sommes capables de chita pendant que Emmanuel pral faire ça, n'a pas de monde chita pour nous, t'en prie. Respectez tout ça, funérailles ou m'en va dire nous pour nous faire, respectez le protocole, et puis avec ça, n'a fait tout bagaille bien pour nous capables aller dans le cimetière et retourner. Merci en pile pour présence nous. Que bon Dieu bénisse nous. Nous sommes profondément attristés par votre perte. Nous espérons que cette couverture en tapisserie contribua d'une manière ou d'une autre à atténuer la douleur de votre deuil et à renforcer la mémoire chérie de votre bien-aimé. Notre vie peut être considérée comme une tapisserie, avec toutes nos relations et expériences tissées ensemble pour faire ce qui est nous. L'image de votre tapisserie est tissée avec 6 couleurs individuelles. Rouge, bleu, vert, or, noir et blanc. Quand nous sommes jeunes, nous sommes comme le fil vert qui apprend au fur et à mesure. Plus tard, le ciel bleu remplit nos vies. À notre apogée, nous progressons et grandissons comme le fil rouge. Puis nous entrons dans nos années dorées. À la fin, l'obscurité cède la place à la lumière pendant la dernière partie de notre voyage. Cette tapisserie est pour vous de Emmanuel Funeral Home. Maintenant, Emmanuel Funeral Home, nous voulons offrir chaque monde qui est dans la salle après-midi à une sincère condoléance. Nous voulons offrir une sincère sympathie. Premièrement, nous voulons remercier l'équipe pastorale là. Nous voulons dire merci avec Pasteur Non, monde qui t'a dirigé, musicien Noyo, et qui t'a offert un bel service. Pasteur Non, qui t'a porté bel mot de confort pour nous le matin. Que bon Dieu capable toujours continuer à bénir nous. Nous voulons offrir un merci spécial avec famille
qui t'a fait choix avec Pompe Funèbre Emmanuel Funeral Home. Ou t'es capable d'aller dans n'importe l'autre Pompe Funèbre, mais on t'a choisi nous. Ou t'a fait nos confiances avec un corps qui est vraiment cher, un corps qui est vraiment spécial pour nous. Et nous voulons faire connaître pendant qu'on a été dans nous. Nous t'a occupé et nous t'a préparé avec un pile soin. Nous voulons remercier ou même qui l'a après-midi, ou même qui quitte le travail, qui quitte l'activité, ou même qui sorti loin, qui sorti près, qui fait gros qu'aucune chaîne sacrifie ça, qui vient supporter la famille dans un moment difficile. Ça. Nous voulons dire mille merci pour la présence. Chapeau bas pour vous. Mais nous avons rappelé que ça n'est pas fini là. Nous ne pouvons pas dire que jeudi, c'est le dernier jour de la famille. Well. Nous ne pouvons pas dire que c'est le dernier jour qui est attendu. Nous encourageons. Nous comprenons qu'il est difficile pour aller à la caillou. Mais un petit coup de fil, un petit texte message, nous ne pouvons pas que ça dérange. Partagez quelques mots d'encouragement avec la famille. Faites connaître qu'ils sont toujours là avec vous. Et pas oublier ça qui est plus important, nous toujours qu'un bien dans la prière. Dans le moment ça, nous allons passer dans la présentation des fleurs. From Pastor Jude, Germain and wife. Brother Brizard, tu n'es pas été pour nous seulement un cousin, mais un frère, un ami sincère et loyal, un conseiller, un exemple de foi, de courage et de prière. Nous ne pleurons pas de ton départ, car nous savons que tu es dans les bras de Jésus, mais nous pleurons pour la douleur de la séparation et pour le vide que tu as laissé dans nos cœurs. Tu vas très certainement nous manquer, chers frères et cousins. Until we meet again, que la terre te soit légère, profond amour. From your loving wife, it's hard to say goodbye to my loving husband, but God has given and taken away. To God be the glory. From your loving son, Jean Lensky Brizard, it's sad to see you gone so soon, but I know you are in a better place. It was an honor to be called your son. And I am proud to call you my dad. You were the best dad I could ever ask for. And I know I will reunite with you in heaven one day. May you rest in peace. From Manushka. Dear Papi Jean-Claude, thanks for all you have done for me and my kids. We will miss you. It hurts to see how you left us, but you are with God now. No more suffering. May you rest in eternal life. And we have the casket spray, Fleki Susekela, from Emmanuel Funeral Home. Tout de suite, nous déplacer l'église là, nous pour aller ensemble dans Hillcrest Memorial Gardens. Si vous avez un programme là, vous pouvez joindre l'adresse là dans le programme là. Si vous n'avez pas gagné, l'adresse là c'est 6411 Parker Avenue en West Palm, 6411 Parker Avenue en West Palm Beach. Si vous voulez aller pour compte, nous sommes capables toujours faire ça, mais si vous voulez aller avec nous, nous demandons s'il vous plaît tout de suite ou exit l'église là, ou va aller dans la machine nous. Parce que si belle sou, les mains, les mêmes agents, sinon, nous avons des policiers de Yoa, qui appellent nous aller ensemble. Nous sortons dans le cimetière là, nous avons retourné ici là encore, côté famille, après nous, dans la réception. C'est là où nous avons une chance pour saluer la famille, pour capable parler avec eux. Nous allons déplacer avec ce que là, nous demandons à tout le monde, s'il vous plaît, nous allons camper. Nous avons une fanfare qui prend devant, nous avons ce que là qui sorti. Pasteur Noyo, tant pis, s'il vous plaît, nous va suivre après ce que là. Et famille, tant pis, s'il vous plaît, nous va suivre après famille là. Nous voulons dire tout le monde qui est là, merci pour présence nous, merci pour support nous, merci pour compréhension nous. Que bon Dieu bénisse nous et nous souhaitons tout le monde passer un bon après-midi.